Bonjour, Sredi Zoba, scénariste, réalisateur centrafricain, président de l'association des idées africains. Alors bonjour, moi c'est Agé Daniel Doumane, je suis le gestionnaire de l'association. Aujourd'hui nous sommes en audience avec Madame la ministre des Arts et de la Culture. On est venu dans le cadre du projet Ekela Bangui, qui est un projet pour former les jeunes centrafricains dans le domaine de l'écriture cinématographique. En tout cas, on a été bien reçus, l'échange a été bien fructueux et on espère collaborer et travailler ensemble pour promouvoir le cinéma centrafricain. Salut, moi c'est Debonair Boubaouane, je suis scénariste, réalisateur, membre de l'association Let's Be Africa. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de rencontrer Son Excellence Madame le ministre des Arts et de la Culture pour parler de notre association et aussi du projet Écrire à Bangui, deuxième édition. Jeanne, tu peux conclure. Ouais. Nous pensons qu'après cet échange, le ministère qui est notre père ici, nous les artistes, nous les cinéastes, nous pensons que le ministère va nous accompagner et que les choses vont bien se passer. Madame, vous avez un mot à... Non, c'est un réel plaisir de recevoir ces jeunes. Ce sont ils ont des talents et qu'il faut les accompagner. C'est vrai que la télévision ici à Bangui, on voit plusieurs séries ivoiriennes, sud-africaines, de plusieurs pays étrangers. Mais il n'y a pas de vraies séries centrafricaines, hein, à part les sketchs, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les théâtres et tout ça. C'est pas mauvais, mais si nous avons des jeunes comme ça, qui ont encore la mémoire très fraîche, qui sont comme une éponge prêts à apprendre, si les moyens sont donnés, pourquoi ne pas les aider? Ils ont plusieurs fois été à l'étranger, en France, au Sénégal, au Nigeria et d'autres pays, j'ai appris, là où le cinéma est très avancé. Donc la RCA pense également à les former. Donc c'est aussi un appel hein, que nous lançons à ceux qui nous regardent, qu'il y a des jeunes qui ne sont peut-être pas très connus par certains, mais qui sont connus à l'étranger. Donc ce sont nos produits à nous. Nous sommes jaloux de nos produits et nous voulons qu'ils évoluent afin de dorer l'image du pays. Et ce sera aussi un plus pour le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. Merci. Okay.